au-dessus des cieux. Que ton nom est appelé. Ta miséricorde, ta miséricorde, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est impuni. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini. Oh Dieu, éternel, tu es éternel. Que ton nom est infini. Oh Dieu, Shalabaya Darabo, Redevede Kira Daba Santaya. Ton nom est grand. Oh Dieu, Shalabaya Baya. Chere Mayandorobo, ton nom est infini. Dieu, Shadabrasum, Chere de Vesiki, Chere Bos, Rekasum, Chere Bos, Ibradaya. Oh Dieu. Shalamaya bala bayade, rada la basunta rada dos. Oh Dieu, elamaye barada ke, shabala bayanda raba sota ya. Ton nom est infini. Oh Dieu, Urasata luz kinda rabashe de bout. Dieu très haut. Ton nom est infini. Oh Dieu. Kira daba sandarabo, rege rege zaba daba ye. Oh Dieu, shabarako sete bradaka yandero sheta baya. Que ton nom est infini. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est impuni. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Toi qui suprends, qui ouvre les portes, toi qui guéris, qui délivre, Jéhovah. Jésus-Christ, roi de gloire, Jésus-Seigneur, tu es mon sauveur. Ah, Jésus-Christ, Jésus notre roi, Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant.
Jésus-Christ. Oh Jésus, maître des temps et des circonstances, ancien des jours, plus grand sage, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ. Élevé. Acclamé. Jésus-Christ, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus, tu es le Dieu de grâce. 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 Tu fais grâce à qui tu fais 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 grâce. Tu ouvres des portes qui restent fermées. Tu ouvres des portes qui restent fermées. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. 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 Acclamé. Tu guéris encore les malades. Tu guéris encore les malades. Jésus-Christ, nous acclamons ton règne, nous acclamons ta victoire. Tu es le Dieu qui fait grâce. Tu es le Dieu qui fait grâce. Dieu de grâce. Alléluia. Tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Tu es honoré. Tu es le Dieu de grâce. Tu es honoré. Alléluia. Tu es le Dieu de grâce.
Tu es élevé. Tu es le Dieu de grâce. Tu es élevé. Tu es le Dieu de grâce. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Jésus, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Personne ne peut te demander des comptes. Jésus, tu fais grâce à prière 24. Oh Dieu, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Notre Dieu, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Personne ne peut te demander des comptes. Jésus, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Dieu souverain, nous t'élévons, Jésus. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Dieu souverain, nous élévons ton nom. Jésus, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Ô roi, tu es honoré. Tu es salué, tu es élevé, tu es respecté, tu es célébré, tu es glorifié. Dieu qui fait grâce à qui fait grâce. Et Shalamaye, Ralama Sandoria Darako Satalaya, tu es sur le point de faire grâce à plusieurs. Dieu très haut, élevé au-dessus des pronostics des médecins. Dieu très haut, élevé au-dessus des défis financiers. Dieu très haut, élevé au-dessus de tout type de blocage. Ah, je le dis et je pense aux enfants d'Israël qui étaient terrifiés, mais qui n'avaient jamais imaginé que tu pouvais ouvrir une porte dans la mer. Yes. Hey, le Dieu des portes ouvertes, élevé au-dessus de tout blocage. Hey, 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 hey. Jésus, c'est ton nom que nous élevons. 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 Quelqu'un a couru à ce programme, le dos au mur. Ne sachant pas par où passer. Mais tu es celui qui ouvre des portes même dans la mer. Tu es le Dieu qui ouvre une porte là où tout semble fermé. Alléluia. Là où tout semble fermé. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Oh Radakalabayandolobo Sakataya. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous magnifions. Tu es digne, notre Dieu. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Et tu ouvres des portes là où il n'y a plus d'espoir. Personne n'est comme toi. Dieu de grâce, prends toute la place et fais grâce à ton peuple. Venus nombreux chercher ta grâce. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Fais du bien, Seigneur. Cette heure est une heure de travail. Mais si tu vois des personnes connectées, c'est parce que nous soupirons après la pluie de grâce. Qu'elle tombe et que les portes les plus fermées, les portes hermétiquement fermées, s'ouvrent dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 que la grâce surabonde. Alléluia. Avant de passer la parole à APJ, je voudrais rendre un témoignage qu'on a reçu tout à l'heure. Alléluia. Et je voudrais encourager une personne et lui dire que tu es devant le trône de la grâce. Est-ce que tu peux le dire à ton frère sur YouTube, ta sœur sur Facebook, ton frère en salle Zoom,
Dis-lui, tu es devant le trône de la grâce. Tu obtiens grâce, tu obtiens Amen. Miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. Alors, une sœur nous a écrit, elle dit, depuis le début de l'année, elle cherchait à avoir un marché de décoration. Et ce marché-là lui avait échappé. La personne qui était censée lui accorder le marché l'a donné à quelqu'un d'autre. Et elle a poursuivi la personne pendant un bon moment dans l'espoir de faire basculer les choses en sa faveur. Mais rien ne s'est passé. Figure-toi que ce matin, à 7 heures, c'est la personne même qui l'a appelée. Et la personne lui a dit, ce matin à 7 heures, la personne lui a dit, écoute, l'autre à qui je voulais confier le marché en question m'a fait faux bond. Et j'ai pensé à toi pour l'exécution du marché. J'ai pensé à toi pour l'exécution du marché. Est-ce que tu serais disponible pour exécuter ce marché-là? Alléluia. À 7 heures, on peut appeler quelqu'un et puis lui dire, je te donne un marché. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom puissant de Jésus. Cela est ton partage. Et la sœur vient d'avoir son premier vrai marché de l'année et elle bénit le Seigneur qui a fait grâce, qui a fait grâce, qui a fait grâce. Je déclare que cette grâce est contagieuse. Toi aussi, dans le nom de Jésus, on t'appelle. Ce qu'on t'avait refusé, on te le donne. Avant la fin de cette journée, le ballet, le festival de témoignages a commencé, le festival de miracles a commencé, le festival de revirement de situation a commencé. Ton nom figure quelque part sur un document où tu dois honorer un contrat par pure grâce divine. Au nom de Jésus, cela est ton partage. Dans le nom de Jésus, ça t'arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici comment il est. Le Dieu que nous prions pendant que nous sommes devant le trône de la grâce. Alors, je veux te donner un conseil. Il y a des personnes qui, devant le trône de la grâce, ressassent leur amertume, leur aigreur, leur ressenti, tout ce qui est mauvais dans leur cœur. C'est pas devant le trône de la grâce qu'on répand son âme. Devant le trône de la grâce, on dit « Fais-moi grâce. » Alléluia. Devant le trône de la grâce. Parce que si tu veux répandre ton âme, tu peux te tromper puis penser que tu mérites ce que tu veux demander. Devant le trône de la grâce, on dit « Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me fasses grâce. » Mais si tu veux commencer à venir dire « Seigneur, depuis telle année, je suis chrétienne. L'année de temps à temps, je suis restée dans la sainteté, juste quand j'ai commencé à cheminer avec Galopo. Galopo m'a laissé. Il m'a laissé. Il est parti avec Galopa. Seigneur, tu étais là, tu n'as rien dit. On va sortir du contexte. Ce matin, on veut rester devant le trône de la grâce. Dis à quelqu'un, restons devant le trône de la grâce. Restons devant le trône de la grâce. Nous allons trouver grâce. Nous allons trouver miséricorde. Afin d'être secourus dans nos besoins. Restons devant le trône de la grâce. Grâce sur grâce, c'est pour que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Alors la plaidoirie, c'est Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Restons devant le trône de la grâce. Chrétien bien-aimé, nous sabotons, souvent nous sabotons nos opportunités. Restons devant le trône de la grâce. APJ, on prie pour les portes ouvertes. Yes. Alors, nous prions. Nous prions pour les portes ouvertes. Tu vois, le passage que Pasteur Christian citait dans la prière tout à l'heure, c'est dans le livre d'Exode 14. Les portes, le peuple juif, pardon, avait quitté l'Égypte et était en marche vers sa terre promise. Et elle s'est retrouvée coincée à un moment donné avec Pharaon derrière. Pharaon et son armée derrière lui, et la mer rouge devant, il n'y avait pas d'issue. Le premier point de prière que nous allons prendre, c'est pour les situations qui paraissent sans issue.
là où tu ne vois même pas de porte. C'est-à-dire pour toi, c'est qu'il n'y a même pas de porte. Et effectivement, devant le peuple, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu a créé une issue, il a ouvert une porte. Et cette porte-là, il a ouvert cela dans la mer. Il a ouvert dans la mer. Il a fait une porte à la mer. Il y a quelqu'un qui a dit au prophète Élisée, « Ah, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, comment une telle chose pourrait-elle arriver ?» J'annonce à quelqu'un que Dieu fait des fenêtres au ciel, il fait des portes. Là où il n'y avait même pas de porte, où c'était comme des murs, complètement, Dieu fait des portes pour toi, à cause de son bien-aimé, à cause de sa bien-aimée que tu es, Dieu ouvre une porte là où il n'y avait même pas de porte. On fabrique la porte là, on casse le mur et puis on fait la porte pour toi, dans le nom de Jésus. Et ça, c'est par la grâce, la pure grâce. Alléluia. Notre premier point de prière va être de prier pour que Dieu ouvre une porte là où, dans les situations sans issue, amen, les situations coincées, les situations où tu es coincé derrière, tu es coincé devant, tu ne sais plus où tu vas donner de la tête, tu ne sais plus par où tu vas avancer. Dieu crée une porte maintenant dans le nom de Jésus. Il crée une porte pour toi parce qu'il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Alléluia, alléluia. Rekata la barabasonta rabashedege. Et tu vois, il a dit au peuple, il a dit, mais Dieu dit à Moïse, mais pourquoi j'entends tous ces tumultes-là? Pourquoi tous ces bavardages? Pourquoi tous ces bavardages? Dis au peuple de rester calme. Dieu te dit, reste calme ce matin, reste calme. Une porte est sur le point de s'ouvrir. Une porte est sur le point de s'ouvrir. Une porte insoupçonnée. Une pièce. Une porte jamais vue. Alléluia. Jamais vue. Jamais vu, parce qu'elle n'existait pas en fait. Yeah. À la vérité, elle n'existait pas. Tu vois, là où les ennemis pensaient t'avoir enfermé complètement et ils se disaient qu'ils n'ont pas laissé d'issue. Ils ne savent pas que ton Dieu et ton Père est le créateur de toutes les issues possibles. Rekatalabarabashedege. Dis avec moi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi par le sang de la grâce. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je me livre à toi totalement. J'ai confiance en toi. Et je sais, Père, que par le sang de la grâce, le sang de Jésus, toutes choses te sont possibles. En ma faveur, là où l'ennemi pensait m'avoir enfermé, pensait m'avoir encerclé, sans me laisser une issue, sans me laisser aucune porte. Père, voici mes mains sont levées devant toi. Dans cette situation, je lève mes mains devant toi et je plaide par le sang de Christ, ta grâce. Ta grâce, toi qui as ouvert une porte pour ton peuple dans la mer Rouge. Père, ouvre-moi une porte ce matin. Ouvre-moi une porte ce matin dans cette situation qui paraissait sans issue. Je m'attends à toi, je m'attends à ta grâce. Au nom de Jésus, commençons à prier sur ce point. Je ne sais pas quelle est la situation qui paraît sans issue, mais Dieu t'ouvre une porte. Il t'ouvre une porte. C'était une situation coincée. Tu étais barricadé de toutes parts. Mais dans le nom de Jésus, le Seigneur ouvre une porte. Nous plaidons ta grâce. Nous plaidons ta grâce au moyen du sang de Christ, au moyen du sang de Jésus. Toute situation qui paraissait sans issue, Seigneur, ô Père, tout comme la situation du peuple juif qui était éternel Dieu de gloire devant la mer Rouge et Pharaon derrière qui les acculait. Tu as ouvert une porte dans la mer et ils sont passés. Nous plaidons ta grâce
Nous prenons ta grâce. Rukatalaba, shekatalabaye, riba rada sokataya, mando sibra de shedege, rekatalaba rakontazia, lebro shedege dege, o rapa sokatayan de lebrus, rima mama 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 shada da da da, rekatalaba rabaya, abape, toutes choses te sont possibles. Ouvre une porte, nous plaidons ta grâce. Ouvre une issue favorable, ouvre une issue favorable à tes enfants qui sont coincés dans des situations financières, dans des situations de documents, dans des situations de conjugales, peu importe la situation, nous prions pour une ouverture de porte financière, une ouverture de porte. Rekata la baraba shedegi, rekata la barasonta, rebrachada baraba baba. Riketeleketo sikatalabaya, riba baba 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 shedege, rida brasunta rabaye, rikatalabaraba sundaria bashedege, rigede sukatalabaya, rima mama mama shedege, rikatalabarabaya, ta grâce, par ta grâce, Seigneur, tu as dit ta puissance s'accomplit. Oh, ta puissance accomplie lorsque nous ne savons plus quoi faire, lorsque nous sommes fatigués. Rekatalabaraba shedege, rima mama mama sunta rabaye, rekatalaba shedege dege, rukatalabrandezia baraba shedege, rima mama 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 mama, rekatalabaraba shedege, rutalabaya, rima mama 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 sunta rabaye, rekatalabaraba shedege. Rima mama 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 sunta, rikata la baraba sunta ye, riba raba de shedegi, rina mama 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 sunta, rikata la baraba shadia, rima sunta riaba ye. Oh Seigneur, là où il n'y avait pas de porte, lorsque l'ennemi se disait, nous l'avons eu, nous l'avons encerclé, c'est terminé pour lui, tu as ouvert une porte, ton salut est arrivé, ouvre une porte, Seigneur, une issue favorable. Devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Seigneur, ouvre. Rekata la baraba shinta rabaye. Dieu de porte ouverte. Dieu de porte ouverte. Dieu de porte ouverte. Il y a des portes que les hommes peuvent fermer. Yes. Mais il y a des portes que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Personne ne peut fermer. En vérité. Quand tu as ouvert la porte de la mer Rouge, personne n'avait la capacité de fermer, si ce n'est toi qui as ouvert. Mama, Rida Barabada, Sedigidigi, Rikata la Barabada, Sintarabayi, Rima Mama Mama Mamos, Rita la Barabadu Sadaba, Rikata la Bariande, Riva Rabadosa Diabare, Rede Zuzaya, Rede Zuzaya, Rikata Baye, Rima Mama, Rida Barabada Dusa, Liba Rabadabadose, Liba Rianta, Liba Rabaye. Shipa raba raba dos, rikata la baraba de, shanta raba ye dege, rima mama mama ma, seka ya baraba do, rikata ya baraba da, sheda raba da ba de, rima mama mama ma, au nom de Jésus, rikata la baraba sonta. Rita la bracha d'abord, ouvre la porte, Seigneur, une issue à quelqu'un qui était coincé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le secours vient de toi, la délivrance vient de toi. Makaye de breche de gué, Rikata la barabasonta, Rika le brache de gué, Rima mama, sonta rabaye, Rida brakata la barasonta ye, Chedege de bronze, Riba yakata la barabasonta rabaye, Rida bracha d'abababa. Rimakayatalabaye, Rida Barabasunta Riadabashada, Rikatalabarabaya, Rikatalabarabaya, Rita Labarabarabashindarabaye,
Au nom de Jésus. Prions. Rikatalabashe de Gedege. Rima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 m